Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter mon tracker solaire qui est composé de deux panneaux provenant de chez Halo Solar, d'une puissance de 720 watts. Après 2 mois de réflexion, j'ai réussi à le mettre au point pour qu'il puisse pivoter d'est en ouest, pour un coût inférieur à 1300 euros tout compris. À comparer avec certains systèmes qui avoisinent les 10 000 euros, c'est quand même pas mal. Au lever de soleil, le tracker se positionne pour être dans l'axe du soleil et va poursuivre sa rotation tout au long de la journée. Là, vous pouvez voir mon relevé à 16 heures où j'ai une puissance de 693 watts, ce qui couvre mon talon de consommation qui est d'à peu près 300 watts. Le surplus est réinjecté dans le réseau gracieusement. La production de la journée a été de 5,6 kg. En cas de fort coup de vent, le panneau se repositionne à l'horizontale grâce à l'anémomètre qui est situé à quelques mètres sur mon abri de jardin. Ici, l'ombre commence à recouvrir mes panneaux. Si je les avais avancés de quelques mètres, j'aurais sûrement gagné quelques watts de plus, mais on ne peut pas penser à tout. Fin de la journée, il se repositionne à l'horizontale et il est prêt pour refaire son cycle de demain. Entrons maintenant dans les détails. Il est posé sur un socle en béton de 600 par 600 et une profondeur de 650. La plupart des pièces que j'ai utilisées est de récupération, sauf le tube de 114 et de 110 que j'ai acheté chez un métallier. Le plus compliqué a été de trouver les axes pour le pivotement. Vous allez pouvoir les trouver un peu plus loin dans la vidéo. Pour ce qui concerne le pivotement nord-sud, c'est un peu plus simple. Le bâti est en bois de 70 par 30 et un rajout de 60 pour avoir une inclinaison un peu plus importante. Pour ce qui concerne les vérins et le contrôleur, vous trouverez les liens dans la description juste dessous. Le bilan de ce projet, sur 4 mois, j'ai fait une économie de 580 kW par rapport à 2022. Relevé Enedis, juste à côté, relevé envoyé par mon fournisseur pour le mois d'août. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées pour un futur projet. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce juste dessous. Merci.